Bon, alors, c'était qui? Tu connais les Rotland, aux States? Tu viens de croiser le fils du sénateur, James Rotland. Il a fait West Point. C'est à peu près tout. Tu peux me repasser la séquence? Bienvenue, Lady Croft. Faut-il préparer votre bagage ou bien le vider? Winston, regardez donc ça. La ressemblance est incroyable. C'est frappant, et pourtant... Et ça ressemble à quoi? Un objet que j'ai vu il y a longtemps au Népal. Loin de toute culture pré-inca. Et vous pensez qu'il s'agit d'un fragment de l'épée? Quelle épée? Plutôt d'une autre du même genre. Zip, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur ce Rotland. Je veux savoir où il se trouve. Au Pérou? Il a parlé de Paraíso. On pourrait certainement y trouver des informations sur les reliques. Est-ce qu'il a dit sur Paraíso? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a un mandat? Alistair, vois si tu peux tirer quelque chose de ces images. Zip, tu appelles Anaya et tu arranges un rendez-vous à Paraíso samedi matin. On ne va pas me reprocher ma façon de m'habiller. Des nouvelles d'Anaya? Elle a dit qu'elle te retrouverait à la statue, sur la place du marché. Au moins, on va être au calme. Salut, Lara. Tu réalises qu'il y avait foule ici, il n'y a pas 5 minutes? Et moi qui voulais rester discrète? J'espère que c'est de moi qu'elles ont peur et pas d'autre chose. Il n'y a rien ici. Que des poteries cassées, mêlées aux cadavres de vieux amis. Si j'avais su que ça te mènerait là, jamais je ne t'aurais parlé de la Bolivie. Et pourtant, tu es là. La Paz n'est pas si loin. Le passé non plus. Zip, appelle Anaya sur son portable. Je veux que je la retrouve dès que je me serai occupé de ces vitus. Aucun problème. Il faut aller voir. Il faut la déborder.
secours! Dis-lui que j'arrive. Ok. Thank you.
Ça n'a guère changé. Seulement quelques années de plus. C'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda n'est pas morte là-dessous. Encore cette vieille histoire? Pourquoi? Tu ne comprends donc pas? Je dois fouiller le passé, trouver des réponses. Je suis ingénieure, Lara. Je construis le futur. Je ne vis pas dans le passé. Détrompe-toi. Le passé rattrape tout le monde. Lara! Descends donc, flemmarde! Jason dit qu'on y est presque cette fois. Une minute, Amanda! On vérifie que c'est assez solide. Mais tu vas venir, oui! Au-dessus de la crevasse sont brisées. Il va falloir te balancer de l'autre côté. T'es à la traîne. Et toi, une touriste pressée. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Amanda, Amanda, tu m'entends? Amanda. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... Je sais pas, j'ai rien vu. Cette porte ne peut pas bouger, sors-moi de là. Calme-toi, est-ce que... Il y a un trou au-dessus de moi, il faut me sortir de là. Vite, il faut qu'on parte d'ici. Elle arrive. Dépêche-toi, Lara. J'y suis presque. Je crois que je vois de la lumière. Ne bouge pas, Kent. Je descends. Amanda? Amanda! Kent! C'est elle! Attends! Kent! Je ne sais pas ce que c'était.
Amanda! Je crois que cette pierre ouvre la porte! Je n'aime pas ça. Tu es vraiment sûre de ton coup? Cette chose approche! T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégés! Oh non! Si tu veux mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas. Désolée. C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis. Alors, comment tu vas entrer? Je vais suivre le même chemin que l'eau. Si jamais Anaya t'appelle, passe-la-moi tout de suite, d'accord? Je suis inquiète depuis que je l'ai laissée toute seule. Je lui tiendrai compagnie. Thank you.
peut-être à Amanda. Une basket, ça se perd pas comme ça? On l'a délacée. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait pu survivre. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Il est question de la dernière reine de Tiwanaku. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tunupa découvrit son ascendance. Tunupa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le mythe, Viracocha vivait à l'origine dans le lac. Le dieu des salles de bain, quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne juste et sage, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Ça te rappelle quelque chose? Le mythe du roi Arthur, oui. Les similitudes sont frappantes. Le roi Arthur? Quel est le rapport? C'est la même histoire. Un jeune homme ignorant de son lignage sort de l'anonymat et devient un roi sage grâce à un mage bienveillant et à son bâton ou son épée, pour finalement être emmené au paradis. Bien des cultures partagent leurs légendes. Le déluge, par exemple, c'est un thème récurrent. Merci bien. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ça serait un bon endroit pour essayer tes jumelles, Mad. Tu as raison. Je dois pouvoir bouger ça. C'est un mécanisme. Hey, elle était chouette. C'est vrai, mais elle était sur mon chemin. M'impressionne. Chaman de la reine, une épée ou ici le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwanaku? Il doit en exister plus d'un, mais c'est possible. Donc le chaman, c'est Merlin, et le bâton, c'est l'épée d'Arthur, dont j'ai oublié le nom. C'est une coïncidence.
Drôle de nom pour une épée. Regardez-la. Qu'elle est belle. Nous étions si proches. Si proches. Fantastique, Lara. Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu cette épée? C'est celle que Télé Rotland. Sauf que là, c'est une épée de cérémonie. Et qu'est-ce que nous avons là? La pointe s'est brisée. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ça. J'ai déjà vu ça à l'université Waseda au Japon. J'ignorais que ça pouvait avoir un rapport avec ces reliques. Nickel, je les appelle tout de suite. Elle n'y est plus. Elle a été volée par Shogo Takamoto. Takamoto? On ne joue pas avec les Yakuza, Lara. Rien à faire, Zip. Je veux cette épée. Organise une rencontre. Ok, mais... Dites pas, elle a appelé de son portable. Je te la passe. Lara? Lara, tu m'entends? Les salopards qui étaient en ville sont là. Ils descendent te chercher. Dans la tombe? J'espère qu'ils vont s'y plaire. Oui, Anaya. J'avais la tête ailleurs, mais je crois qu'elle est en sécurité pour l'instant. Ce n'est pas grave, mais préviens-moi si les mercenaires la collent d'un peu trop près. Compris. Mais comment vas-tu revenir s'il n'y a plus de plancher? Eh bien, je vais devoir jouer la fille de l'air. J'y vois rien du tout. Et toi? Tu crois qu'elle est tombée? Avec un peu de chance. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. Ça va, ton genou? Occupe-toi de tes fesses. Dis donc, c'est pas moi qui ai trébuché. T'es même pas capable de tenir une foutue corde. Elle était mouillée. Je sais pas comment elle a fait pour descendre sans corde. Avec tous ces rochers glissants et... Aucun des deux ne répond. Ils ont peut-être coupé leur radio. Peut-être qu'ils dorment. Bande de tyroflans.
Allez, va voir ça. Et toi alors? Fais ce que je te dis, Miller, et arrête de pinailler. La voilà! Que j'ai vu une panthère, mais je suis pas sûr. C'est un jaguar, y a pas de panthère ici. Un jaguar, si tu veux. Et j'ai aussi vu une araignée grosse comme ta main. C'est une tarentule. Dis donc, faut sortir le dimanche, hein. Écoute, je connais pas tous les noms scientifiques, mais je sais quand c'est pas bon. Fais simplement gaffe à ce que tout aille bien. Ok, Einstein? Si cette Lara Croft arrive jusqu'ici, ta grosse cervelle t'a trouvé une place. Sur l'autre ligne? Ouais. Dis-lui de se cacher sous la Jeep. Quelqu'un arrive. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais, parce que je ne remets plus les pieds ici. Tiens, regarde. C'est tout ce qu'elle a laissé. Elle s'en est sortie sans rien dire? Et pourquoi s'est-elle cachée tout ce temps? Je pense qu'elle s'est éloignée. Plus qu'elle ne s'est cachée, en fait. Elle a pu découvrir là-dessous quelque chose qu'elle a certainement voulu garder pour elle. Zip, tu as pu avoir ta Komoto? Oui, j'ai eu. Mais il voulait pas te voir, donc je lui ai rappelé que tu détestes qu'on te dise non. Chacun ses petites manies. Je suppose qu'il préfère qu'on se voie en terrain neutre. Tu vas adorer. Il a choisi les bureaux de Toru Nishimura, juste en face de son appart. Nishimura? Takamoto ignore que nous sommes amis? Ouais. Il sait juste que Nishimura donne une réception demain soir, et que vous vous verrez là-bas. De mieux en mieux. Bon, très bien. J'y vais directement. Reste à trouver une tenue adéquate.